Le début des campagnes à Kinshasa est enthousiasmant pour de nombreux partisans des candidats à la présidentielle qui se sont présentés aux élections de décembre. Les élections ont été retardées de 2 ans en raison du maintien du président Kabila après l'expiration de son mandat en 2016. Cependant, les préparatifs en vue de la tenue du scrutin sont en cours. Le gouvernement a acheté des camions de l'armée pour transporter le matériel électoral à travers le pays et la Commission électorale nationale indépendante de la RDC s'est déclarée prête à organiser le vote. La CENI a son plan opérationnel. Selon les Nations Unies, la RDC compte 80 millions d'habitants dont la majorité vit dans la pauvreté. De nombreux citoyens congolais souhaitent que le prochain dirigeant améliore l'économie et respecte les principes démocratiques. Nous serons heureux d'avoir un président qui rétablira la sécurité, améliorera le système de santé et offrira de meilleurs salaires aux travailleurs. Nous avons toujours, nous jeunes, cherché que le Congo aille mieux. Pour que le Congo aille mieux, nous devons avoir un système démocratique solide. Les candidats sillonnent actuellement la RDC pour tenter de gagner la confiance des électeurs avant les élections du 23 décembre. Mais certains membres de l'opposition appellent à un boycott des urnes contre les machines à voter électroniques qui, selon eux, seront utilisées pour truquer le vote. Une allégation que la commission électorale a rejetée. 21 candidats étaient initialement inscrits, mais 3 d'entre eux se sont retirés pour permettre aux collègues de leur parti de prendre la parole. Les leaders sont les opposants Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi et Emmanuel Ramazani Shadary. Nous devrions tous nous rassembler derrière Shadary en raison de ses réalisations antérieures en tant que ministre de l'Intérieur. La RDC n'a jamais connu de transfert pacifique du pouvoir depuis son accession à l'indépendance de la Belgique en 1960. Et les gens ici attendent avec impatience que tout cela change.